Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek en mode samedi. Et c'est vrai que on est quand même un peu en mode mytho et en mode série télé, hein. Alors, je vous rappelle un peu les faits, voilà. Donc, suite à ma précédente vidéo des Nike Air Original AliExpress, enfin Nike Air 270 acheté sur AliExpress à 50 euros, voilà. Donc, je reviens donc vers vous, ça me gratte un peu là. Je reviens donc vers vous avec cette deuxième partie qui donnera certainement suite à une troisième partie. Alors, le premier truc, c'est, j'ai vu sur AliExpress, il y avait marqué Original Nike Air 270. Voilà, le but c'était ça. Et donc je les ai commandés, moins 50%, les promos sur Skyphone et tout. Ah, donc je les ai commandés, et puis bah voilà, les chaussures sont arrivées. Vous les voyez directement en photo. Bon, bah, écoute, jusque-là, tout va bien. Bon, alors, comme souvent quand je fais des vidéos, on se rend vite compte que bah, même si j'ai pris le... et que j'ai fait en sorte que ça soit le plus clair possible, c'est-à-dire le but c'est on voit une annonce sur internet, sur AliExpress, même si bon, c'est la Chine machin, on voit marquer Nike Air original moins 50% au lieu de 100 euros, 50 balles. T'as ce que je veux dire. Le but c'était de savoir est-ce que pour 50 balles on a des Nike Air original comme c'est vendu ou est-ce que c'est une arnaque, est-ce que c'est des réplicas, des copies, des machins comme ça. Bon, donc du coup. Si on doit faire un peu le bilan, on voit qu'en fait, chacun, sur les 10 000 vues qu'on a fait la semaine dernière, au jour où je fais l'enregistrement, chacun a fait un petit peu sa déclinaison et chacun a laissé des commentaires. Et il y en a beaucoup qui m'ont laissé un peu perplexe, hein, tu vois. Alors même si on dit, on voit des Nike originales en Chine, on les achète, savoir ce qu'on va recevoir. Donc c'est pas peine de me dire, ouais, mais acheter la consommation, c'est merde, c'est mal et tout machin. C'était pas le but, c'est ce que je veux dire. Mais on a vraiment eu des commentaires ou qui m'ont laissé perplexe, mais on en reparlera après. Donc du coup, acheter des Nike Air sur AliExpress. Je reviendrai pas sur toute la démo que j'ai fait la semaine dernière. La vidéo était assez complète, elle était écrite par moi. Donc du coup, j'avais bien donné mes arguments et après certains ont donné les leurs et c'était ça le but de YouTube. Encore une fois, sur lequel on reviendra là. Donc, comme j'ai mentionné dans ma vidéo, le but était de savoir si les original Nike Air 270 vendus à moitié prix sur AliExpress étaient des vrais Nike. Des vrais de vrais, directement de Chine et tout, c'était probable. Des Under QC, alors c'est des chaussures qui n'ont pas passé le contrôle qualité, c'est-à-dire qu'à la fin, pour le contrôle qualité, ils se rendent compte qu'il y a de la colle, qu'elles ont été mal faites, hop, ils les mettent de côté et du coup, ça alimente un marché parallèle. Ça existe par exemple dans les magasins de dégriffage ou des outlets ou les Nike Factory Store, qui les chaussures sont jamais vraiment parfaites, il y a toujours des petits défauts, c'est là. Ou alors c'est simplement des réplicas, ça veut dire que bah, c'est tout exactement les mêmes, mais pas fait par dans le réseau de Nike, pour Nike, machin et tout, mais c'est exactement les mêmes. Ou simplement des contrefactions. Alors oui, on va emplâter un peu plus le terme de café, parce que bah, déjà, je suis très friand de café, grâce à nos tipeurs, par exemple. Et ensuite, comme YouTube nous écoute, on va éviter de se prendre un strike pour des conneries, alors que là, on est là pour faire l'apologie de rien du tout. Mais encore une fois, alors ceux qui me disent comment ça, ils t'écoutent, bah t'as qu'à mettre, t'as un bouton qui met sous-titres automatiques, tu cliques dessus, tu vas voir ce qui se passe. Ah, bah merde, ça retranscrit tout ce que je dis. En français, en anglais, en allemand, en chinois. Enfin, surtout en anglais, surtout en français traduit en anglais. Donc du coup, il y a des mots comme ça, donc c'est pas la peine de ce que je veux dire, de sortir des mots un peu trop tendancieux, litigieux et voilà, hein. On va pas fabriquer des molotovs, des machins comme ça. Sinon, les mots ressortent et si t'en dis trop, bah après ta vidéo elle cligne en rouge et ils viennent te voir. Donc, des Nike Air, oui. De ville, oui, mais avec beaucoup d'erreurs. Alors, on va reprendre dans l'ordre. Voilà un petit peu ce que j'ai envoyé à mon vendeur dès le début. Voilà. Ça, à gauche, vous avez les Nike Air original, alors que j'ai pris sur internet, hein. Et on verra. Après, vous aurez les vrais de vrais. Et à droite, les Nike Air que j'ai de AliExpress. Bon, premièrement, la boîte, ça va pas. La boîte, ça va pas du tout. En fait, il existe une série, pas une série limitée, mais il existe une série de Nike Air qui s'appelle les Nike Air Pata, qui sont des Nike Air avec un design qui ressemble fortement à cette boîte-là. Et donc, du coup, comme c'est une série de Nike Air Pata avec le design machin un peu américain comme ça, elles ont une boîte dédiée, ces Nike Air Pata, qui sont bah, les boîtes de la, voilà, qui ressemblent et tout. Donc, tu as les Nike Air Pata avec les patas dedans, tu vois la boîte qui est jolie, tu l'ouvres. Bon, là, tu te dis, c'est quand même un peu bizarre qu'on ait la mauvaise boîte. Certes, on aurait pu avoir la boîte des Nike Air Pata et nos Nike Air 270 dedans. Le problème, c'est que les mecs, ils ont quand même été jusqu'à écrire 270 sur cette boîte Pata. Ce qui est improbable. En fait, ça, c'est pas possible. C'est ce que je veux dire. Alors, après, que les mecs, ils se trompent de boîte. Ça arrive, ils n'avaient pas de boîte, ils ont pris ça, machin et tout. Mais que là, ils aillent imprimer la mauvaise chaussure sur la mauvaise boîte,
Là, tu vois, là, t'es en train de te dire, ah oui, là, ça pue la merde, on est d'accord. Là, les mecs, ils se sont un peu foutus de ma gueule. Ils... voilà, là, on est d'accord. Ensuite, bon, bah après, moi, pour les miennes, sans rentrer dans les détails, la bulle d'air qui est complètement flasque, le truc, il est tout mou, ça s'écrase, machin et tout. C'est vraiment de la dope, voilà. Ça, c'est pour les premiers trucs. Premier truc, quand tu dis, ah, déjà, c'est pas la bonne boîte. Bon, bah là, après, ils ont marqué le son de Nick comme ça. Mais quand tu cherches un peu, tu te rends compte. Et quand j'ai mis la photo sur Instagram, on me dit, bah, c'est une Carpata, bien évidemment. Ça a rien à... le 270 a rien à faire là-dessus parce que c'est pas le bon logo sur la bonne boîte. Alors après, peut-être que les Chinois se sont trompés ou les Vietnamiens, comme tu voudras, et que les mecs, franchement, ils sont bien mauvais, ils ont quand même réussi à imprimer le mauvais logo sur la mauvaise boîte pour te foutre les bonnes chaussures dedans. Enfin bon, il y a une limite à la décence, mais quand même. Donc, si on doit comparer un petit peu nos Nike Air original avec nos Nike Air AliExpress, bon, la boîte, c'est flagrant, là, la boîte, c'est pas la bonne. Après, on est d'accord que même quand tu vas dans les outlets ou les magasins dégriffés, souvent, ils ont que des boîtes marron. Parce que, bah, ils ont que des boîtes marron. Donc, ça peut arriver que c'est pas la bonne boîte. Mais là, c'est vraiment pas la bonne boîte. Ça veut dire que là, c'est une boîte d'une autre sur laquelle ils ont imprimé le mauvais machin pour le mettre dedans. Donc, là, on est quand même juste dans le pas possible. On est juste, voilà. Bon, la bulle d'air, en fait, qui est merdique chez moi, et en fait, qui est en deux parties. Sur celle de AliExpress, ça veut dire que tu as la moitié de la bulle d'air qui est comme ça, et après tu as le deuxième plastique qui dessort. C'est-à-dire que c'est un plastique qui est moulé en deux pièces, d'accord? Alors que sur celle originale, en fait, le truc est moulé en une seule pièce. Enfin, tu vois pas le joint. Après, il y en a certainement dedans, mais tu le vois pas, d'accord? La virgule qui est pas placée là où il faut, ça c'est con. Et ça, tout, hein, toutes les vidéos d'internet que j'ai pu voir, la virgule est pas placée au bon endroit. Point barre, c'est tout. Alors je veux dire, les mecs, bon, alors Underkissy, ils se sont trompés. Bah non, ils se sont trompés beaucoup, hein. Ça arrête pas les vidéos de l'année dernière, la vidéo était déjà pas au bon endroit. Et bah ils continuent les imprimer de travers. Rien compris, hein. dis donc, hein, ça travaille plus comme ça travaillait, hein. Donc du coup, les enfants doivent être trop jeunes, ça doit être ça. Donc du coup, la virgule qui est pas placée au bon endroit, normalement qui est chevauchée sur les deux coutures, qui, bah sur le nôtre du coup, est carrément placée sur le côté, et puis après, bon. Sans parler du contraste des couleurs et des machins comme ça. Bon, le talon, en fait, au-dessous du talon, en fait, la partie qui est en-dessous du talon, ce qu'on voit un petit peu dans ma vidéo, par exemple là, c'est que, bah, normalement, celle de la bulle du milieu, hein, ma bulle blanche du milieu, c'est que normalement, en fait, sous la partie, en fait, de talon, la semelle n'est pas blanche, mais la semelle est noire. Donc du coup le plastique, comme il est sur du noir, il est beaucoup plus foncé. Bon bah, on voit bien que sur celle de AliExpress, le truc il est tout blanc tout le long. Oui, bah il y a un mec voilà, au Vietnam qui a oublié de peindre en noir le truc dedans. C'est pour ça que c'est Underkissy. Ça fait beaucoup quand même, hein, un petit peu, voilà, comme ça. Bon, et après, une qualité un peu moins de chez Ali, mais comme ça, sur les photos, on a du mal à s'en rendre compte au niveau de la finition. On verra ça un petit peu plus tard. Bon, de là, on dit au vendeur que, bah, que ça nous plaît pas, que déjà la bulle elle est pourrie, on peut pas courir avec, et que ces chaussures elles puent la merde, hein. Elles puent pas le contrôle qualité qui est pas passé là, c'est-à-dire que les mecs ils ont rien de bon. Je sais pas si vous avez déjà été dans une usine où les mecs ils font, je veux dire, tu laisses pas passer 30 000 chaussures avec toutes le même défaut, des défauts qui sont mais énormes, je veux dire, il y a un cahier des charges qui est strict, c'est fabriqué pièce par pièce, machin et tout, tu peux pas arriver à l'assemblage comme ça à faire toute une série qui est aussi mauvaise. Peut-être, mais alors disons là, faut être fort. Bon, donc du coup, ce qu'on a fait, je suis allé au Nike Factory Store de Pattaya, parce qu'il y en a un là-bas à Teprazit, vous pouvez aller les voir, et eux, ils avaient les chaussures. Ah ouais, ah, tu me vois venir, hein. Bah, attends, pas tout de suite, attends, garde-en un peu là, attends, on n'a pas fini. Bon, du coup, on va au Nike Air, voilà, donc on fait expertise de notre Nike Air, AliExpress avec nos chaussures et tout comme ça, puis on cherche un magasin, ils ont exactement les mêmes, dis donc. Ah ça, ça tombait bien. Donc du coup, je vous mets la photo du Nike Store à Teprazit, et donc du coup, comme ils ont les chaussures, bah, je dis, est-ce que je peux faire des photos et tout, ils s'en foutent, ils le valent comme ça. Donc comme le magasin d'usine en avait en stock, on a pu comparer ces chaussures qui sont généralement, alors, il faut savoir que dans les outlets, et ça c'est assez connu, notamment en Asie et en Thaïlande, c'est soit des invendus, ça veut dire des chaussures qu'ils fabriquent trop et ils n'arrivent pas à les vendre, soit des chaussures qui ont des défauts. Mais attention, quand on parle de défauts, c'est vraiment des petits défauts. C'est des bouts de colle, c'est du plastique, c'est des machins, tu vois. Des trucs qui sont, bon, tu dis quand même là, ça passe pas le contrôle qualité chez eux, donc ils passent dans les voitures. Ils passent dans les réseaux comme ça. On n'est pas sur des trucs qu'ils ont oublié de peindre, une virgule à l'envers, la mauvaise boîte, le mauvais tissu, les mauvais lacets, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est, on est plus du Underkissy là, d'accord. Donc, là-bas, elles sont vendues quand même 100 balles, hein, en prix dégriffé, machin et tout. Donc, bon, je les ai pas achetées parce que, bon, 100 balles, ça fait chier, quoi. J'avais l'espoir d'en payer 50 balles, voilà. Bon, après, il est clair que je suis allé avec mes chaussures, j'ai pas eu besoin de leur sortir la boîte pour qu'ils se rendent compte rapidement que, bah voilà quoi. Donc, en gros, tu vois, je te fais un peu le sketch. Tu dis, ouais, bonjour, voilà, j'aimerais savoir si mes chaussures sont des vraies. Bon, le mec, il les regarde, un truc comme ça, bon.
Il voit rapidement que. Bon, voilà. Là, après, il regarde les vrais. Il dit, ah ouais, bah, mais il dit, vous avez acheté où? Tu dis, bah, sur AliExpress en Chine. Et là, le mec, il te répond pas. Ah bon? Ah bah oui, en gros. Et en fait, t'attends une réponse, mais le mec, il dit, bah, quoi? Voilà, la preuve, je veux dire, tu viens lui demander une confirmation. Le mec, il te regarde, il dit, bah oui, voilà, simplement, oui, bah oui, on voit bien que c'est pas pareil. Que lui, il a des originales, et toi aussi, mais que les tiennes sont pas les mêmes que les siennes. Voilà. Donc après, c'est un peu le dossier, c'est un peu le délire. Après, bon, c'est un peu un sketch ou pas, hein, on est d'accord. Attends, je vais mettre un peu comme ça, voilà. C'est un sketch ou pas, mais bon, voilà, on voit bien que c'est pas les mêmes. donc, du coup. Attendez, j'en étais où? Donc voilà, donc tu sors les chaussures, machin, donc tu fais voir, et puis bah tu vois bien que c'est pas exactement les mêmes, qu'il y a des défauts, que la qualité est pas la même, malgré tout, hein, même si les miennes sont très bien, on voit bien que la qualité c'est pas la même, les tissus, l'air, le truc, la bulle d'air, elle est super dure, machin, la mienne, comme ça, elle s'écrase, vous avez vu la dernière vidéo, la qualité des tissus, les finitions, la petite virgule sur l'avant, voilà, pas mal de trucs qui font que, bah, que les godasses, non, quoi, c'est ce que je veux dire, bah non, elles sont pas si originales que ça, après, bien, oui, mais non, voilà, donc quand tu lui demandes, c'est que, voilà, bah, vous achetez en Chine, monsieur, voilà, bah, 50 balles, tu vois ce que je veux dire, et le mec, toi, t'attends une réponse, mais lui, bah, il dit, non, bah voilà, c'est bon, tu voulais savoir, tu sais, quoi, donc bon, bah voilà, ou en Chine, ah, bah voilà. Bon, bah après, là, c'était quand même relativement flagrant. Donc, du coup, la provenance des Nike AliExpress. Donc, du coup, en fait, par rapport à la première vidéo, j'ai eu un peu tous les commentaires et je vais vous les résumer parce que il y en a. Waouh, tu vois ce que je veux dire? Il y en a. Waouh! Alors, il y a eu des chaussures sorties d'usine. Oui, alors apparemment, il y a des filiales où les gens arrivent à sortir des trucs et ça alimente un marché parallèle et tout. Après, moi, je veux bien. C'est vrai qu'étant en Chine, on arrive des fois à avoir soit des trucs qui sont under QC, soit des trucs qu'on nous promet qui sortent de l'usine et dont la qualité est quand même vraiment irréprochable. Et je veux le bien. Mais après, là, on parle aujourd'hui de vendeurs à AliExpress qui sont capables de vous sortir une vingtaine de modèles de chaussures dans toutes les codes, dans toutes les couleurs et dans toutes les tailles en moins de 48 heures. Ça fait des volumes de dingue parce que le nombre de chaussures qu'ils vendent, les mecs, surtout quand il y a les promotions comme ça, bon, quand t'en arrives, t'en as une, et tu vois, quand t'as un truc des griffes, t'as une taille, quoi. Non, là, les mecs, ils ont toutes les tailles, toutes les couleurs, tous les machins. Donc, qu'ils arrivent à les sortir autant de l'usine comme ça et tout, peut-être qu'il y en a, mais je pense pas que les quantités soient autant industrielles que ça. Bon, des chaussures under QC, donc qui n'ont pas passé le contrôle qualité et qui sont vendues sur le web. Bon, bah après, là, moi, je veux bien, hein, il y en a, je connaissais des magasins en Chine qui arrivaient à avoir des produits comme ça, under QC ou machin, de très, très bons produits, mais avec des petits défauts machin et d'origine. Bon, là, le problème, c'est que c'est même pas, il y a le problème de l'under QC, c'est que là, la bulbe, alors, elle est pas faite pareil, en plus, elle est crevée, la Nike, la virgule, elle est pas faite au bon endroit, ils ont oublié de peindre dessous, là, on est plus sur du contrôle qualité, on est sur du branlage de mouche, ça veut dire que les mecs, ils font n'importe quoi, ils sont en freestyle, ils ont malheureusement, ils ont pas 8 ans, ils ont 6 ans, donc ils font n'importe quoi. Là ça passe pas. La chaussure elle est trop pas assez pas pour qu'elle soit under QC. Under QC, je veux dire les mecs, une usine c'est trop à la chaîne, les pièces, les machins, les trucs, enfin, tu peux pas avoir des erreurs aussi grossières que ça sur des années, c'est pas possible. Bon. Bon, après alors j'ai eu un commentaire qui était pas mal, c'est en fait c'est des Nike under QC, donc c'est des Nike qui ont pas passé le contrôle qualité qui sont vendus par Nike dans leur réseau parallèle pour booster un peu les ventes, mais qui sont pas faites pareil pour qu'on puisse les reconnaître. Celle-là, c'était la meilleure. Je sais plus où je l'ai lu, parce que j'en ai effacé quand même pas mal, puisqu'il y en a quand même, rester un peu poli et courtois, tu vois ce que je veux dire. Après, j'en ai eu sur Instagram, j'en ai eu un peu partout, mais que voilà. Donc c'est Nike qui les fait, mais bon, ils les font moins bien. Et bon, pour que ça se voie, pour voir que c'est pas le voilà, pour qu'il y ait une différence. Bon, ça tient pas la route. Mais bon, c'était là pour mon livre et mon histoire et ma série télé, ça tient la route. Bon, après, bah des réplicas, hein, voilà, bah voilà. Bon, alors après, dans les réplicas, on voit qu'il y en a. Vous n'aurez que des réplicas en Chine. Ne rêvez pas, c'est pas possible. Là, avec les gros vendeurs, les machins, les pontes, et vous allez voir ce qui vous arrive après, là, dans la gueule, avec les pontes et les machins, et les usines à gaz que ça, vous n'aurez que du réplica à tous les coups. Après, il y a du A, double A, triple A, et certainement du très bonne qualité. Moi, j'ai pas eu de bol. Alors, bon gré mal gré, j'ai pas eu de bol, mais en même temps, j'ai du grain à moudre, tu vois ce que je veux dire. J'ai des arguments. Et ça, vous l'aurez vu. Donc, du coup, ouverture d'un litige à AliExpress et médiation avec le vendeur. Donc du coup, on va passer tous les commentaires où on dit la contrefaction c'est mal et ça fait du mauvais café.
je sais, elle est bonne. Mais on se met dans la position d'une personne qui voit sur Internet, sur AliExpress, qui est aujourd'hui un des plus gros sites de vente chinois, hein. AliExpress, Alibaba, Taobao, machin, c'est le même groupe. Enfin, c'est un groupe qui est énorme et qui fait des millions et des millions, un des plus gros sites chinois et qui va certainement détrôner tout le monde, qui te dit, on vous vend des Nike Air Max original à moins 50%. Moi, je m'arrête là. Voilà, l'argument il est là, c'est pas la contrefaçon, faut pas acheter la contrefaçon, mais il faut arrêter les mecs, oui, mais bien sûr, je suis bien d'accord là-dessus, mais moi c'est pas ce que j'ai acheté, moi j'ai acheté des originales à moins 50%, tu vois ce que je veux dire, après que ce soit en Chine, en Vietnam ou de mon cul, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire, c'est l'annonce, voilà, on vend, machin, 100% vrai, machin, plus vrai que vrai, c'est là qu'il faut commencer à s'inquiéter, plus vrai que frais réel, pas fake, là j'aurais dit quand même, bon voilà, mais là bon, pour moi c'était cohérent, parce que bon, une paire de Nike, je veux dire, un maximum, je veux dire, même si t'en vends pas beaucoup, si les mecs en font pas beaucoup, ça leur coûte pas 20 balles à faire une paire de Nike, tu vois. Donc bon, bah 20 balles, 10 balles de frais de port, vendu 50 balles, bon, bah, les mecs, ils gagnent encore leur pognon, ils font 2 points de marge. Donc ça paraît aujourd'hui une marge qui est cohérente, un produit qui est possible. Donc du coup, moi, j'ai acheté des vrais à moins 50% certifiés original et le vendeur va me jurer que oui. Donc, pour moi, le deal, il est pas honoré. Un, parce que je peux pas les mettre, je peux pas courir avec, parce que la bulle d'air, c'est vraiment de la merde. Elle est toute pompeuse, machin, même pour marcher avec, c'est juste marche sur la pointe des pieds. Hein. Comme à Ladyboy, c'est-à-dire tu marches sur la pointe des pieds, c'est pas mettre tout ton poids en arrière, parce que sinon la bulle s'écrase, c'est dégueulasse. Voilà. Donc après, bon. Pour moi, je peux pas courir avec. Après, bon, bah, disons que j'ai pas eu de bol, et qu'elles ont un défaut. Voilà. J'ai reçu les seuls Nike qu'ils ont, machin, dont la bulle d'air est crevée d'origine, ou qui a été mal montée, mal gonflée, ou ce que tu veux. Bah, du coup, c'est remboursement, hein, ou un remboursement partiel ou total, parce que, bah, en tous les cas, le deal est pas respecté. T'achètes des Nike Air originales pour courir, les trucs, elles arrivent, elles sont crevées, bah, non. Voilà. Donc, bah, de toute façon, le vendeur, pas de retour, rien. Lui, il s'en bat les couilles, bien marqué. Pas de retour, pas d'échange, tu l'as dans le cul. Lulu, bien évidemment. Donc, on aura pu comparer avec des originaux ou des originolo, et elles ne sont et attends, je vais corriger ma faute. Et elles, bah, elles ne sont pas, elles correspondent pas à l'annonce, hein. Et pour moi, bah, c'est pas quand on compare avec des originales, hop, c'est pas les mêmes. Donc du coup, elles sont pas tant que ça. Et après, il y a pas de marché. Oui, mais il y en a pour la Chine, il y en a pour l'Allemagne. Elles ont des petites différences. Non, quand ils font une série, c'est la même partout dans le monde. Il y a un cahier des charges, ça vient tout du même endroit. Il y a pas de raison. Donc du coup, à part quelques détails, on va dire bon, allez, imaginons elles sont crevées, donc tu demandes un remboursement. Après tous les litigieux. Et les différences, les machins comme ça, je veux dire, toi, t'es en train de la vidéo, ça t'a sauté aux yeux. Je dis, bah, mec, la boîte, la virgule, le truc pas en noir, la bulle d'air de merde. Et après, bon, encore le ressenti de la qualité. J'ai pas acheté les vrais, parce que je vais pas mettre les vrais, machin et tout. J'ai pas ce budget-là de mettre encore 100 balles, alors que je vais même pas me faire rembourser mes 50, pour absolument vous prouver que c'est bon, hein, je pense que t'auras compris. On est d'accord. Bon. Bon. Donc, du coup, deux cas. J'avais deux solutions pour ouvrir un litige. Soit, en fait, vous mettez en avant que la bulle d'air est crevée. On dit, bah, moi j'ai reçu, la bulle d'air elle est crevée, c'est de la merde. Donc du coup, bah, le vendeur te proposera soit un remboursement partiel, soit un remboursement, ou soit rien. Voilà, par exemple, voilà. Soit vous voulez un remboursement car ce ne sont pas les originales. Moi j'achète un produit, il y a marqué original sur l'annonce, que ce soit AliExpress, Cdiscount, Amazon, machin, marqué original, Nike Air, moitié prix, j'achète pas des réplicas ou des machins où elles sont crevées, tu peux pas courir avec, tu vois ce que je veux dire. Même si je cours pas beaucoup, je fais quand même 84 kilos, hein, j'essaie de les perdre, mais du coup, il y a du poids sur la bulle d'air et ça arrange rien. Donc c'est pas fait pour moi. Bon, après, soit vous demandez les deux en même temps, et là c'est la merde. C'est-à-dire que moi j'ai mis et le fait que la bulle était crevée, donc c'était de la merde, et le fait que c'était pas des originales, qu'il y avait rien qui va. Voilà. Enfin, il y a tout va, mais rien qui va. Parce que bon, bah du coup, voilà quoi. Bon. Donc du coup, on attaque la médiation avec le vendeur. Ça a commencé le 11. Attends, je te fais voir un peu. La médiation a commencé le 11. Toi, tu la vois ici. Attention, là, je peux te dire. Alors, en fait, le but du vendeur, c'est de te rendre fou et de te lasser. Et de se dire, il va en avoir marre. Il va lâcher le morceau. Et je pense que c'est 80% des gens qui vont se dire, bon, bah attends, laisse tomber, ça m'a saoulé. C'est bon, j'ai les chaussures, je peux marcher avec, je peux pas courir, tant pis. Je me suis fait niquer, faute à moi. J'aurais dû le savoir. Mais non, j'aurais pas dû le savoir. Original Nike, machin, c'est pas j'aurais dû le savoir. On n'est pas sur Wish, tu vois ce que je veux dire. Ou à la fin, tu reçois un porte-clé, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est pas photo contractuelle, c'est machin. Et en plus, les photos, c'est des vrais sur le site, hein. C'est des vrais godasses. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de nom, donc il n'y a pas raison. Donc du coup. Je lui ai écrit, je lui ai dit, bah voilà, y a rien qui va, machin, non, bah la bulle est crevée, et puis bah ça va pas, le truc machin. Donc le mec me répond, non, nous ne vendons monsieur que des originales. Voilà.
ferme ta gueule, toi. Donc du coup, bah, je lui lisse les défauts de la chaussure, la virgule, la bulle d'air, le truc en noir qui vont pas, et je lui dis que la boîte, elle est complètement bidon, et que sa plus grosse erreur, elle est là, c'est qu'ils se sont trompés de boîte, c'est qu'ils ont imprimé le mauvais logo sur la mauvaise boîte. Parce que la boîte, ils ont dû la trouver jolie, on va prendre cette boîte-là, on va mettre le logo dessus, ça fera plaisir à tout le monde. T'imagines, le mec et Nike sont en déstockage, machin, tiens, si on imprimait une bonne série de mauvaise boîte. Non, ça va. Non, ça arrive pas. Hein. Je suis désolé, mais faut vraiment être bidon, quoi, tu vois. Donc tu lui réponds ça, dire voilà, la boîte quand même, ça prouve bien que vous avez imprimé. Ils vont rester des boîtes comme ça, viens imprimer dessus, ça leur fera plaisir. Elles sont jolies les boîtes, mais non, c'est des boîtes d'une autre série, c'est limité en plus, tu vois. Donc voilà, c'est compliqué. Et là, la réponse du vendeur est exceptionnelle. Où le mec, je garde un peu le suspense parce que ah, tu dis bon là, quand même là, le mec tu lui mets le, c'est-à-dire t'as de la merde, tu lui mets le nez dedans, regarde, c'est de la merde, c'est désolé monsieur, regarde, la boîte, rien ne va, c'est dégueulasse. Le mec il te répond encore sans complaisance que non, ce sont vraiment des originales, voilà, donc ce sont vraiment des chaussures d'origine, ok, et la boîte, attention, mais j'ai traduit en anglais, mais c'est vrai pour ça, que la boîte a dû être endommagée pendant leur transport et qu'ils vont t'en envoyer une plus solide, une plus robuste. Là, c'est là que tu comprends pas. Tu dis, mais putain, mais tu lui dis que les mecs, ils ont pas mis la bonne boîte, qu'ils ont imprimé le mauvais truc sur la mauvaise boîte parce que c'est une série limitée, que c'était pas possible, qu'ils se trompent de boîte. Le mec, il dit, ah bah la boîte a dû être endommagée, je vous en envoie une autre. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, déjà, t'es chaud parce que t'attends 24-48 heures à chaque fois. Hein, tu vois ce que je veux dire. Bon, là, tu commences à devenir fou. Bon, alors du coup, tu relances. Tu doubles la mise, bah, qui tout double, hein, avec les photos du Nike Factory Store. En haut, là, ici. En te lui disant, bon, bah, qu'on a été au Nike Factory Store avec nos chaussures. T'as ce que je veux dire. Voilà, on ramène nos chaussures. Ah, ils en avaient, pas de bol, tu vois. Ils comparent les chaussures. Bah, là, c'est eux qui te mettent le nez dedans, dans la chaussure. Il dit, bah, regarde, tu nous demandes quoi, là? Tu nous demandes quoi? Est-ce que c'est des vrais ou c'est des fausses? Bah, déjà, c'est en Chine, monsieur. Donc, bon, déjà, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Et ensuite, bah, c'est pas les mêmes. Donc, du coup, bah, voilà, avec ce que le mec te dit, il va pas te faire un certificat médical, hein, pour te dire, bah, matin, midi et soir, deux cachets, quoi. Toi, je veux dire, bah, t'es, voilà, oui, bah, on voit bien que c'est pas pareil, hein. Voilà. Donc, du coup. Tu es gros vendeur, tu dis voilà, moi j'étais au Nike Factory Store, voilà, ils les avaient, on a comparé les chaussures, on a dit, hein, y a pas besoin d'être sorti, d'avoir fait Polytechnique pour dire que voilà, les chaussures c'est pas les mêmes. Déjà rien qu'à la couleur et tout, tu fais plein de trucs, voilà. Donc le mec il te répond quoi? Nous ne vendons que les authentiques, si vous ne le croyez pas, vous pouvez ouvrir un litige. Et c'est là la meilleure partie. C'est là en fait que tu sais même pas ce qui t'attend. Voilà. Et donc bah je dis litige, tu rigoles, ce mec, j'étais en train de communiquer avec lui depuis 4 jours, j'avais déjà ouvert au litige depuis le 11 moi, tu vois, parce que je savais la réponse, je savais que le mec il allait essayer de m'enfumer, soit il me remboursait, je fermais le litige, soit il me remboursait pas, et du coup le litige courait, parce que je sais qu'à chaque fois, AliExpress, quand tu ouvres le 11, il donne pas de réponse avant le 16, et en fait on a une décision finale le 23. Donc, entame, et ça c'est la meilleure partie, là je pense que là, cette partie va vous rendre dingue. Parce qu'en même temps, c'est de ma faute. Un, parce que j'aurais dû dire qu'elle s'était crevée et non pas mettre le fait. Mais en même temps, on fait de la vue et je pense que cette vidéo va vous intéresser. Et deux, j'avais oublié la Chine. Je rappelle, j'ai vécu 5 ans en Chine, à Huanchanbei, là-bas, marché de Shanzhai et tout. Et je sais un peu comment ça marche, tu vois ce que je veux dire. En grosso modo, hein, comment on fait, hein, pour avoir des trucs, machin. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'attendait dessus et que le mec il me dit ouvre un litige. Tu vas ouvrir un litige, tu vois, je vais avoir raison. Admettre ce qui ne peut l'être. Voilà. Donc, bon, certains d'entre vous ont eu plus ou moins de chance dans leurs achats, avec la qualité des produits, ou il y en a qui étaient plus ou moins bien torréfiés. C'est bon, tu l'as? Bah oui, mais t'as compris. Contrefaction, torréfié. On va s'amuser 5 minutes. Voilà. Donc du coup, là, il y en a qui m'ont dit, oh, génial, très bien. Il y en a qui m'ont dit, bon, pff, ça passe. Il y en a qui me dit, je fais 40 kilos, ça va. Puis après, il y en a qui m'ont dit, c'est de la merde. Il y en a qui m'ont dit, c'est directement à la poubelle. Il y en a qui m'ont dit, j'ai pas envie de me niquer les genoux. Voilà. On a eu un petit peu de tout. Bon, moi. En fait, il y en a où les chaussures sont parfaites. La boîte, les machins, les étiquettes, c'est tout copié. Hein, donc, les boîtes, les stickers, machin, cherchez pas, les codes-barres, tout est bon. Hein, y a pas à chier, ils prennent des vrais, ils partent sur cette base-là. Bon, moi, je peux dire que j'ai eu du bol.
Parce que moi j'ai tout bon. Moi j'ai la boîte qui va pas, d'accord. Bon bah hein, donc la boîte, bon bah admettons, mais bon là admettons quand même qu'ils étaient imprimés sur la mauvaise boîte, machin. Bon, c'est quand même pas de bol, ils sont vraiment tocards hein, chez Nike Vietnam. Hein. La bulle d'air qui est complètement cramée, alors que si elle avait été bien, j'aurais peut-être fermé ma gueule, j'aurais dit bon bah après voilà, ça a l'air, ça sent bien, aussi bien machin, mais j'avais déjà eu, j'en ai déjà acheté d'autres là-bas en Chine, j'ai le même problème parce que, mais là je savais, donc ça me paraissait normal. Bon, le logo qui est mal, qui est pas mis au bon endroit, les couleurs qui sont pas exactement les mêmes, la bande noire, machin et tout. Bon, donc moi je suis sûr de mon coup et je pense avoir en fait de beaux arguments pour, un, mon litige, deux, vous faire une belle vidéo, parce que là je veux dire, pas besoin de dire, pas une spécialiste, hein, dire bah oui là, là mon pote tu t'es fait niquer, mais moi je, enfin voilà, on repart dans le principe, on base, on achète des vrais à 50% sur internet, des originales, et non pas après, ça m'a rendu fou ça. Mais t'as pas acheté de contre. Mais non, arrête, c'est pas ça. C'est pas ça qui t'est vendu. Bon, donc du coup, je vais pas lâcher le remboursement. Et en plus, ça va vous amuser. Car ça va vous proposer un autre genre de vidéo sur YouTube. Parce que les vidéos que j'ai, c'est soit. C'est génial. Génial, l'affaire du siècle. J'ai vu des meufs là. Ouais, les filles là, 20 euros, truc, voilà, trop bien. Là, les vidéos, voilà, donc vous avez certainement tous vu. Soit les mecs, ils disent, c'est vraiment de la merde. On va bien, voilà. Hein. Ceux qui sortent pas trop, qui veulent pas trop se mouiller, parce qu'il y a, aussi ce qui pend au nez, c'est un petit peu le strike de chez YouTube. Tu vois, si tu charges un peu trop, que tu y vas, que tu leur mets un peu sous le nez, bim, un petit strike, et voilà. La marque est pas contente, machin. Mais bon, là, je veux dire, la marque, je la défends, hein, pour de vrai. Donc voilà. Bon, donc du coup, deux, quatre solutions, trois, quatre solutions même. Un, le vendeur ne peut pas admettre que ce sont des contrefactions. D'accord, avec du mot café. Bah sinon ça se saura. Je veux dire, si le mec il dit bah oui, oh vous m'avez démasqué, oh bah je vous rembourse. Bah du coup, t'écris à tout le monde, bah vas-y, hein, achète, rembourse, vas-y, c'est la fête. Donc le mec il peut pas admettre que voilà, que c'est du mauvais café. D'accord. Donc après, une semaine sans médiation. Donc tu fais une médiation, t'en veux pas, donc du coup, bah AliExpress reprend le dossier. Ouverture du litige le 11, il reprend le dossier le 16 et il statuera le 23. Donc. Le 23, je reçois un mail en disant... non, le 16, je reçois un mail, puisque là, on est le 17. Je reçois un mail le 16 en disant, voilà, nous avons pris le dossier en main. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas ce qui vous attend. Ne vous inquiétez pas. Nous prenons le dossier en cours. Nous allons étudier vos preuves, vos photos, vos textes, tout, machin. Voilà. Donc, mais en fait, du coup, tu te dis, oui, mais alors, si eux, ils me remboursent, bah, ça veut dire qu'ils valident le fait que le mec vend du café. C'est ce que je veux dire. Donc, quelque part, qu'ils sont complices et qu'ils le savent et qu'ils continuent à vendre du café comme ça en sachant que c'est pas du bon café. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est un peu litigieux là, le dossier. Hein, voilà. Donc, et après, là, la meilleure partie, le rebondissement à l'américaine. C'est comme ça que je l'ai appelé. Ce matin, donc je pars, machin, on est le 17. Hein, donc, le truc qui a été validé hier, le 17, aujourd'hui, je pars ce matin et tout. Je reçois un mail d'AliExpress. Je vous le traduis. Il nous dit, voilà, donc ouverture de machin, il dit, et voilà, donc on a votre litige, et il nous dit, voilà, étant donné que le vendeur a fourni le fichier d'autorisation du propriétaire de la marque et de la facture d'achat pour prouver que l'article est original, alors là, je m'arrête, je me dis, comment, le mec a des factures à prouver, et après, bon, si vous êtes déjà allé en Chine un peu, ou si vous avez déjà travaillé avec la Chine, en Chine, par exemple, si t'as un téléphone, en partir d'un téléphone, parce que c'est le modèle que je connais le plus, tu veux un téléphone. Il a le CE, votre téléphone. Non, mais on va mettre l'autocollant. Ouais, mais moi, il me faut des papiers hein, pour la douane. Il dit, mais on peut avoir du CEPS. C'est ce qu'ils appellent. Hein. C'est très connu. Tous ceux qui travaillent avec la Chine vont vous le dire. Ça s'appelle un CEPS. Alors, là, tu te fais avoir qu'une fois. Hein. Alors, tu dis, un CEPS, c'est quoi? Eh bien, c'est un CE Photoshop. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, ils prennent un truc. Hop, copier, coller, éditer. Mananana, hop, avec l'entête, avec le machin. Je veux dire, c'est comme si moi, j'allais chez Nike. J'achète une paire de baskets. Hop, j'efface tout. Et je dis, voilà, hop, nanana, hop, hop, achat, chaussures. Nous sommes partenaires officiels de Nike Factory Unlimited Kangchong Ming Shi. Très important. Et nanana. Donc, les mecs, ils envoient ça à AliExpress et c'est bon. Ah, parce que bon, là, quand même, faut quand même pas se moquer. Les chaussures, on voit bien quelque chose qui va pas. Mais eux, ils envoient ça à AliExpress, c'est bon. Ils ont une facture d'achat, comme quoi ils peuvent prouver que. Voilà, étant donné que le vendeur a affiché l'autorisation du propriétaire de la marque, donc à Nike, hein, complètement, ou la facture d'achat, comme quoi ils ont vraiment acheté à Nike. Alors, mec, ça se trouve, ils font des factures chez Nike, hein. Je veux dire, comme quoi ils les payent.
ils les payent 20, 30 euros et qu'ils les revendent 50, ça affole personne. Tu vois ce que je veux dire? Oh, les factures de chez Nike. On a un petit magasin Nike là-bas dans la province, dans la petite rue à droite, là-bas, la petite rue sombre, après les deux putes et le Mahjong. Eh ben, il y a un magasin Nike qui nous les a à 30 balles, officiel, machin, il n'y a rien à dire. Donc, ils ont prouvé, machin, que c'est original. Accroche-toi bien. Nous vous demandons, nous devons maintenant vous demander de fournir des contre-preuves comme suit. Maintenant, c'est à moi de prouver. La déclaration de contrôle officiel du propriétaire de la marque. Je vous remercie. Ça veut dire, il te demande d'aller voir la marque avec les chaussures et que la marque te fasse une attestation comme quoi ce ne sont pas des originales. Alors, j'ai déjà vu une vidéo d'AliExpress qui a fait un Nike à Nike, ou bon, les chaussures, une autre série, que les mecs, pff, ils lui ont répondu un demi-mail sans se mouiller en disant « Ouais, non mais c'est bon, de toute façon, en l'état, veuillez bien croire, monsieur, madame, nos salutations distinguées, hop, vos voeux les meilleurs, joyeux pack. » Nous, bah, quand on va au Nike Factory Stock, les mecs, ils sont gentils, hein, tous là. Ils travaillent là-bas, ils savent ce que c'est qu'une paire de chaussures, ils te disent bah, « c'est de la merde. » Ah ouais, ça a l'odeur, non ? Ah, ça a le goût, ah ouais, ça en est. Et vous avez mis le pied dedans en plus, bah, bravo. Les deux, waouh. Et vous êtes allé courir, bah dis donc, monsieur est courageux. Donc du coup, bon bah ils te disent oui, mais après de là, mais tu peux me faire une... Bonjour, est-ce que vous pouvez me faire une attestation? Le mec fait bah non, on est pas, ils sont pas là pour ça, c'est ce que je veux dire. C'est pas leur métier. Donc est-ce qui contacter, où, comment, à qui envoyer les chaussures, aller où, comment, une usine, un machin et tout pour leur dire que t'es un bouffon et que t'as acheté des chaussures là-bas et que machin. Donc en gros, AliExpress te dit bah nous le vendeur c'est bon, alors soit je leur fais un truc PS de chez Nike en prenant la facture de mes dernières, ou je vais acheter une paire de Nike machin et puis je fais une facture, j'édite machin, we are Nike Factory, sous-signé nanana, en anglais super parfait, tu vois, you're welcome, voilà, this fucking shoes in your ace, hein, ça commence par la bord, pas la droite, ça porte bonheur. Donc du coup, ils demandent de prouver, donc maintenant il faudrait contacter Nike, envoyer les chaussures. T'imagines un peu le dossier, donc du coup je vais l'avoir dans l'os. C'est flagrant que là, vu que je suis pas capable de prouver, parce que je leur ai envoyé les photos, les machins, maintenant ce qu'ils me demandent c'est une attestation et tout. Et c'est là où tu te dis que le vendeur il a été malin, parce qu'il sait pas, je suis pas le premier à lui dire machin et que vous allez ouvrir un litige. Et ben du coup le mec il savait, il s'est dit bah si t'es pas content, ouvre un litige, il sait que tu l'as dans l'os, parce qu'il a déjà, eu le problème, il a déjà envoyé les factures à Nike, et à AliExpress, comme quoi il les achetait à Nike, et que AliExpress va lui redonner son pognon, et que tu l'as dans le cul, Lulu, malgré que la chaussure quand même, elle soit quand même plutôt grossière. Donc du coup, réponse définitive le 23 janvier, ce qui vous donnera certainement une vidéo la semaine prochaine, parce qu'en même temps je suis pas en train de lâcher le morceau, pas croire, je veux dire après le... je suis John là en ce moment, je suis en mode menace, hein, s'il y en a qui ont vu la série. Donc, réponse AliExpress. Bon, ils vont à évaluation de ce litige qui sera... eux, ils vont définir. Mais bon, je pense que je l'ai dans l'os. Comme je suis pas capable de prouver de chez Nike une certification de Nike, la marque, qui me prouve que c'est une copie, machin et tout, parce que bah, les magasins ici s'en foutent. En France, je pense pas que Footlooker ou un magasin, un Nike Store, te fasse une attestation, machin. Personne prendra la responsabilité, en fait, de te faire un truc, machin, parce que tout le monde sait qu'il y a des filières, qu'il y a plus de trucs, tu vois. C'est un peu comme avoir marché sur la Lune, tu vois. On sait, mais il y a plein qu'on sait pas. Donc, du coup, là, personne va prendre la responsabilité de te faire un papier officiel. Donc tu l'as dans l'os. Après il reste quoi? Bon, la réponse de AliExpress le 23 qui va te dire bonjour monsieur, veuillez nous excuser, mais vous l'avez bien dans le cul, Lulu. Les chaussures, c'est des vrais. Mais il va bien foutu. Mais non monsieur, attendez, il nous a dit que la facture, donc voilà. Donc il restera l'évaluation du litige. Ce qui était déjà arrivé, j'avais déjà commandé un espèce de truc pour attacher la plaque d'immatriculation de ma KTM Duke. Et j'ai reçu que la moitié des pièces. Alors j'envoie photo, j'ai que la moitié des pièces, machin et tout. Oui, on va étudier. Ah bah on a estimé que vous avez... Mais il en manque la moitié. Sur la photo, on voit bien. Donc après, ils m'ont demandé mes motivations. Là, je peux dire, c'était une étoile partout, commentaire de merde, vous êtes vraiment une bande de branleurs et tout. Et là, ils sont revenus vers moi. Oui, en fonction des éléments que vous nous avez envoyés, nous devons estimer que... Oui, en fait, vous aviez raison, voilà. Bon bah là, dans tous les cas, je vais l'avoir dans le cul. Lulu, bien évidemment. Pas la chaussure, parce que c'est 44 quand même, hein. Voilà. Donc, il restera les évaluations, machin et tout, et après, il me reste, on en arrive à la partie menace, ce que je lui ai écrit ce matin. Je dis, bon, allez, admettons, très bien, on va juste partir sur le principe que la bulle d'air, elle est cramée, et que je peux pas les mettre, parce que la bulle d'air est cramée, je peux pas courir. Passons tout le reste. Donc, soit vous me remboursez, soit en attaque. Donc après, je lui dis, puissance, je dis, voilà, puissance du web, on a déjà fait une vidéo, voilà le lien, 10 000 vues,
sans le citer, d'accord ? On n'a pas cité, on a juste dit que les chaussures, machin comme ça. Je veux dire, la prochaine vidéo, on y va à fond, hein. C'est ce que je veux dire. on y va à fond, internet, blog, vidéo, voilà. Le mec, faut le pourrir, le cramer. Et alors après, est-ce que sous la menace, bah, normalement, il est pas... Les Américains ne le cèdent pas sous la menace, mais les Chinois... Normalement non plus, mais là le mec, bon quand même, on est un peu d'accord. Donc du coup, on va attendre maintenant le 23, savoir un peu la réponse du AliExpress, savoir la réponse du vendeur s'il y en a une, par exemple, ça permettra de faire une vidéo pour samedi prochain. Dans tous les cas, bon bah vous aurez un peu l'histoire, vous avez vu, après c'est compliqué, hein, parce que du coup tu l'as toujours dans le cul, Lulu, bien évidemment. Donc du coup, tu peux, machin, il faut prouver de chez prouver que c'est un vrai machin. Je veux dire, même si t'avais acheté le vrai et que tu le mettais noir sur blanc, tiens, regarde, c'est les vrais, je fais une vidéo, machin et tout, eux, ils veulent un truc de la marque qui prouve que c'est pas du bon café. Donc, c'est un peu compliqué, mais bon, en même temps, on lâche pas le morceau. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, j'espère que vous aurez compris la démarche de cette vidéo. C'est pas de vous dire rien, c'est de vous dire, t'achètes un truc, c'est pas le bon. Voilà, ça peut t'arriver, hein, sur Cdiscount, sur Udicommerce, t'achètes un truc, c'est pas le vrai, machin et tout. Les mecs, ils te répondent pareil. Oui, mais en France, on a des lois, mais. De moins en moins. De moins en moins. Va mettre ton gilet et va protester dans la rue en disant... Voilà. Mais sinon, voilà. C'est un peu compliqué, mais c'est plutôt pas mal. Ça fait quand même une bonne histoire. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Comme toujours, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, aller me payer des vrais cafés. Par exemple, pour que je puisse m'acheter des vrais Nike. Même si j'ai cru en acheter des vrais. J'ai été bête. Hein. Oui, mais j'ai été faut être naïf. Mais en même temps, cette vidéo, on voit, elle prouve bien aussi que... Oui, tu es naïf, tu connais la Chine, machin. Oui, ok. On est d'accord tout ça. Mais je m'aide à ma place, mais je me mets aussi à la place de milliers de personnes qui achètent pareil en conscience de cause, qui se disent ouais, c'est la bonne affaire, machin et tout, et ça l'est pas. C'est ce que je veux dire. C'est une roulette russe. Soit c'est du bon café, voilà, soit c'est du mauvais café. C'est ce que je veux dire. Bon, nous, on a du bol, on a du mauvais café. Donc ça donne un peu plus de grain à ma vidéo. Que je pourrais moudre, bien évidemment, pendant des semaines et des semaines. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aller sur Tipeee, me payer un café, par exemple, pour aller à des vidéos sur YouTube. Je vous rappelle, le JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Vidéo, GLG Review et WTS by GLG. Les chaînes sont en haut à droite, elles sont également dans la description. Garantie 50 vidéos par mois. Et toutes des vraies, hein, sans café. 50 vidéos par mois réparties sur les 3 chaînes. Donc du coup, tu t'abonnes aux 3 chaînes, tu cliques sur la cloche, tu attends que les notifications tombent. Ça te plaît, tu regardes, ça te regarde pas. Non, ça te plaît pas, tu regardes pas. Plutôt dans ce sens-là. Je vous souhaite à tous un bon samedi. Profitez bien de votre journée. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. On se donne rendez-vous dès demain pour WTS. Et sinon, dès lundi, on recommence la quotidienne. Et samedi prochain, vous aurez la suite de l'histoire. Mais vous avouerez quand même que c'est assez croustillant. Voilà, j'ai de quoi tenir encore pendant une semaine. Et je vous ferai certainement, alors peut-être la semaine prochaine ou peut-être les deux en un, une vidéo comment anticiper un petit peu vos achats sur internet, machin, quand on va acheter des trucs comme ça. On verra qu'il peut y avoir des choses à faire, voilà, par exemple. Et non pas les faire après comme moi parce qu'on les fait à l'envers et c'est de la merde. Paix et prospérité, bonne journée, bon samedi, bon week-end. Et forcément, à demain sur les 3 chaînes.